Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc apparemment vous avez beaucoup aimé ma page précédente que j'ai postée sur Facebook et vous auriez voulu que je fasse une vidéo sur cette page. J'allais commencer à faire une nouvelle page, mais je me suis dit celle-ci je vais la filmer. Donc j'ai pris alors mon fond de page, c'est de mon blog Mama and I. Donc les papiers sont trop beaux. Et du coup j'avais commencé à coller mes deux photos. Donc sur un fond beige, j'ai perforé le côté, j'ai ancré le tour en bleu. Donc on va commencer tout de suite. Je positionne ça. Donc, je vais coller un morceau de papier jaune. Il est légèrement imprimé. Donc, je vais le coller en dessous. Ceci. Ensuite, j'ai froissé un bout de page de livre, donc j'ai arraché le bas et le haut. Donc j'ai froissé et je l'ai ancré. Donc j'ai passé ma distress dessus. Donc c'est la distress Broken China. J'adore toujours l'effet que ça donne. Donc, on va le coller également. Je vais le coller en dessous. Ensuite, j'ai découpé, pareil c'était sur le papier, donc le recto, donc il y avait un joli petit motif donc en forme d'étiquette. Donc je vais coller comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir coller Je vais prendre une fleur blanche. Donc je vais l'ancrer. Je prends ma. Donc c'est la VersaCraft couleur aqua. Donc j'ancre. J'ancre le tour. Ensuite. Donc je vais le coller dans le coin comme ceci et je vais coller un bouton Ensuite, j'ai tamponné délicieuse journée. Donc toujours de ma planche que j'adore. Voilà, je le colle là. Je vais coller un bouton rose pâle
juste au milieu. Ensuite, sur le côté, donc je vais coller mes petites fleurs. Donc là, pareil, j'ai une fleur blanche, un petit peu jaune. Donc sur les côtés, je vais juste rajouter un petit peu de bleu, comme ceci. C'est pas terrible. Je colle dessus. Je vais rajouter une perle de pluie. Ensuite, je vais coller les tamponnages que j'avais reçus lors d'un échange. Et ils sont trop beaux. J'adore, j'adore. J'en avais utilisé une sur ma page précédente. Dans les tons un petit peu bébé, que j'adore. Ensuite, je vais coller les petits papillons. Et je recourbe un petit peu les ailes. Donc, des bleus et des jaunes. Donc je vais prendre tulipe mat, donc c'est blanc neige, et j'aime bien faire un petit effet petite perle sur mes papillons. Ensuite, je vais prendre mes petits piou-piou. Bonne un ici. Voilà. Ensuite, je prends mes petits œillets. J'en colle toujours 3 minimum. Ensuite, je prends mon stylo et je vais faire
de la fausse couture. Donc sur mon petit papier jaune. Je vais faire ressortir mes œillets. Et en dessous, je vais mettre juste une petite phrase donc, pour expliquer pour mes photos où ça se trouve. Donc c'est toujours mes photos des vacances en Bretagne de l'année dernière. Alors. Donc je ne mets pas de titre vu que mon fond de page est déjà bien chargé. Donc j'ai juste mis quelques embellissements. Donc mon titre ce sera délicieuse journée. Voilà, le cadrage. J'arrive jamais. Ce que je vous explique, je filme avec mon appareil photo et je suis obligée de tourner l'écran. Mais forcément, c'est pas droit. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà ma page. De toute façon, vous retrouverez une photo à la fin de la vidéo. Donc voilà, tout en couleur, mais en restant quand même dans les bleus jaunes. Voilà. Et je voulais également vous montrer, j'ai fait quelques achats ce matin. Alors. Donc, chez Babou. Donc, j'ai trouvé des petits oursons donc en mousse et ils sont adhésifs donc 1,99 il y en a je dirais une vingtaine donc je trouvais ça sympa. Ensuite à Auchan j'ai trouvé des rubans. Bon, c'est de Noël, hein, mais donc
cela. Ils sont trop mignons. Donc je les ai eus à 2 € et quelques. Cela. Et cela. J'ai ensuite pris des petites fleurs, donc orange, marron, vert et bleu. Donc pareil, je les ai eu à ça fait même pas plus de 2 €. Et il y en a pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros gros bisous. Ciao !